J'ai regardé hier en plus, il était, il y avait pas mal de viewers sur le truc sur Twitch hier. J'ai regardé vers minuit. Il y avait autant de viewers sur Rainbow Six Extraction sur l'intégralité de la planète que sur le live seul de Domingo en discussion. But everything is okay. Non, sérieusement, il y avait 10K viewers hier, quoi. Salut Mary, comment ça, poulet? Désolé pour le retard. Ça va bien, j'étais en train de faire mes réglages. Bon, après, je testerai la Ouais, moi aussi. Je lance le jeu. Là. Battle Eye Launcher. Ah, il y a Battle Eye sur ce jeu. Ah, oh, c'est important. Ouais, parce que tu peux cheater. Grâce à ce logiciel, tu peux plus cheater. Ah, ouais, je vais l'installer alors. Installe-le. Oui. Tu verras, il n'y aura pas de cheater. Ouais. Les monstres en face, ils vont pas nous faire chier. Non, bah oui. Les monstres en face vont pas nous faire chier. C'est des monstres. Des monstres toupies. T'as repris la cigarette électronique, toi? Non? 1, 2? Présenté comme ça, bonjour, enchanté. Enchanté. Brie, par contre, qui est très gentil. Je ne le connais pas, mais il est gentil. Ah, voilà. Tu sais que ça part mal hein, dans une relation quand tu dis il est gentil. Hein. Ça veut dire que je suis moche? Non, je n'ai pas dit ça. T'es plutôt mignon. Ok, je vais vous laisser. Allez, bonne journée. Ouais, laisse-nous gérer. On assure, t'inquiète. Oh, les mecs, ils ont zéro préparation, quoi. Quoi? Ça a craché? Non, mais je... C'est vraiment fort! On est là! Nom de Dieu! Biopsie, marquage déni. Dans ce mode, il n'y a pas de progression ni de pénalité. C'est-à-dire que ce jeu a déjà un mode d'entraînement? Ah bah, on sait où il est. Partie rapide, c'est ça que je dois faire? Non, en bas. En bas, non, partie rapide, tu tags avec des pick-up et tu quittes la... C'est débile de faire ça, là. Arrête d'être médisant, ok? Modéré, dangereux. Le modéré est trop simple. Modéré, dangereux. Oui, le modéré est vraiment simple. Pourquoi il s'appelle pas simple alors? Pourquoi il s'appelle modéré? Parce que c'est Ubi. Ah, c'est pour te donner l'impression que t'es pas si mauvais. Ah, oui, d'accord. Ah, je l'ai fait en modéré. Je l'ai fait en modéré, ce qui est quand même modéré. Non, c'est simple. Donc là, on a 3 missions. Ouais. Donc en gros, la première est facile, la deuxième est plus compliquée, la troisième est plus complexe encore. Oh, c'est bien. C'est rapide là pour changer les commandes, j'aime beaucoup. Très bien fait ça. Bon, bah, en 2 secondes, c'était fait. Allez hop, c'est bon. Attends, je drone. Oh, ouais, c'est ce qu'il y a, la discrétion. Voilà. Ah, pourquoi il y a des trucs à... On reviendra pour la discrétion. Ah, ouais. Je savais pas qu'il fallait... Moi, je tire dessus, moi. Ah, c'est full discret. Il est dur, le jeu. Hein. Attention, ne crois pas qu'il est... Il y a un mec sur moi. Moi, j'y vais, je tire, quoi. Tu verras qu'à un moment, tu mourras, du coup. Ok. En fait, plus tu rentres dans la difficulté et plus tu rentres dans les missions HL, donc là on est vraiment dans la simple, plus tu joues sneaky parce que sinon tu te fais péter assez rapidement. Je comprends rien du tout. Faut tirer au sol là? Bah en fait ça ralentit. Ah ouais, comme des fils barbelés. Ouais, et après tu pourras équiper. Ces trucs là vaut mieux les faire au kick. Hein. Ah ouais. En même temps, si t'avais fait le tuto. Ça me donne envie de rejouer à R6. J'ai pas rejoué à R6 depuis. Ouais, non, j'oublie. Ah ouais, à ce moment-là? T'as toujours des problèmes de cheat ou des trucs comme ça? Bah, c'est ce que j'expliquais hier. Si tu veux kiffer sur R6, à l'heure actuelle, le seul moyen de kiffer, c'est de pas dépasser le P3, quoi. Voilà, c'est tout. Et après, t'es bien, ouais, tu passes un bon moment. C'est relativement cool, quoi. Alors, ça, tu vois, c'est la première mission facile de la zone. Ah, ok. Actuellement, Six, il a combien de PV? 5? 6? Ouais, 6 PV, ouais. Parce qu'en fait, là, tu vois, t'as deux solutions. C'est soit on continue ici, et il faut trouver un heal pour continuer. Ouais. Soit tu t'extrais. Si tu t'extrais, tu peux. Là, on va dire, on valide l'XP, etc. et tout. Si on continue, mais qu'on meurt, on perd notre argent, on perd de l'XP, etc. Ok, parce que c'est pas une suite à la Back 4 Blood, quoi. C'est des missions. C'est des missions, tu reviens, c'est ça. Exactement. C'est sympa le sound effect de Mario Kart. En vrai, les maps sont bien, hein. Le level design, moi, j'aime beaucoup. Le level design est très sympa sur certains. Quand tu regardes bien les... Surtout si on a pas de sledge ou de pompe, on peut pas utiliser vraiment les travers et tout, mais... J'ai plus de... Il est où l'otage? L'otage. Ah ouais, mais... Le truc qui tire dessus là-bas. Oh non, je suis à terre. Ouais, mais le truc te tire dessus, j'ai 5 HP, bro. Attends. Ah, oh, je peux rien faire, putain. Il est mort. J'essaie d'imaginer le jeu sans jamais avoir joué à Rainbow Six en fait. J'essaie de, tu vois ce que je veux dire? De pas être influé par le fait que j'ai l'impression juste de jouer à un mode quoi. Et d'essayer là, d'avoir là, un regard objectif. Non, attends. Merde. Bon,
Ah non, putain, faut le placer. Attends. Y'a un mec qui arrive là, y'a un gros. Là, je l'ai pingé. J'ai pas de mun. Derrière toi, le gros là. Bah lui, il va nous défoncer la rondelle. Pas mourir maintenant. Non, je suis mort. Moi, je peux rien faire. J'ai pas envie de mourir. Mais viens avec moi, parce que moi, j'ai 2 HP, j'ai pas de mun. Faut aller en bas. J'ai 0 mun. Ça pue. Qui est mort? Moi, je crois. J'ai rien compris de ce qu'il fallait faire, j'ai rien compris. Malheureusement, tu vois, j'ai envie de te dire, tu viens de perdre ton agent. D'accord. Ouais, on va le récupérer dans une prochaine mission. Mais j'avais genre plus du tout de mun quoi. Bah c'est pour ça notamment, tu vois, que je te disais tout à l'heure, si tu as l'occasion d'utiliser ton couteau pour faire des kills en fufu ou pour tuer les nids en, furtif, ah ouais, couteau, c'est ce que je faisais, faut mieux le faire. Ok. Parce que les balles à un moment vont devenir rares. Tiscat, il est pas emballé, ça se voit. Ah ouais, ouais, non, je suis à deux doigts de dire que c'est de la merde, hein, ça c'est clair, hein. Je trouve ça nul à chier, ouais. Mais bon, on continue, quoi, parce que ça m'est déjà arrivé de commencer avec la même impression, puis à la fin, je me suis dit, oh non, en fait, ça va, c'est pas si mal. Mais ouais, il y a trop d'infos, trop de trucs. La TH est trop chargée, ouais. Trop chargée, trop la... Non. Et l'accompagnement dans le jeu, la première sincèrement, fois... c'est ce que je disais pendant la version 13, ça me fait penser à un jeu mobile. Et j'allais dire la même chose. Le menu, on dirait un jeu mobile, ouais. là où je suis. Ouais. Il aurait été fait par Gameloft, le truc, franchement, c'est la même chose. Franchement. Donc là, maintenant, je fais quoi? Monolith Garden? Non, Liberty Island? Y'a pas de truc où ça te dit de faire autre chose en fait? Non, c'est d'autres maps en fait. De 3, si j'ai pas de bêtises. Qui? De quoi? Ah ouais, j'ai trop d'infos. Y'a trop d'infos. Pas vous hein, mais quand je lis le truc, y'a trop d'infos quoi. Là, y'a une espèce de volonté de faire du get the fuck out, j'ai l'impression, tu vois. Ça veut dire quoi ça? Tu sais le jeu, get the fuck out, GTFO? Un truc ni alerter. Ne pas alerter, y aller en sneaky. Ouais, moi j'aurais préféré un truc plus punchy en fait. Plus comme dans Woodbreak, un truc où ça... Mais il y a un moment où ça part en couille de toute façon, non? Bah ouais, mais c'est quand ça part en couille, tu meurs en fait. D'accord, j'ai 8 HP. Là du coup on a fail la mission, parce qu'en fait les nids, il fallait poser des trucs dessus, mais il fallait pas se faire voir par les nids. Donc en fait il fallait arriver en furtif à côté des nids. Et poser, franchement, ça en me fait chier. Un jeu comme ça, ça me fait chier. Je veux furtif en fait. Ouais, je sais pas. Il y a des choses bien, mais je sais pas. J'ai du mal à dire en fait. Quelqu'un disait la gestion des OP qui donne un petit goût de XCOM. Le reste est sans saveur, pas vraiment immersif car le lore est juste inexistant. Ça devient un peu mieux avec le Maelstrom, mais bon. Je sais pas. C'est toujours pareil en fait. Je vais être tout à fait franc par rapport à ça. Ok. Il y a une part de moi qui me dit. Je suis un boomer, ok, et il me faut de l'originalité pour être surpris. Et il y a une part de moi du coup qui me dit, ouais mais pense-y comme si t'avais 13, 14, 15, 16 ans. Si t'étais la target audience, est-ce que tu kifferais le jeu? Je me dis peut-être que pour le coup, pour eux, ça peut être intéressant. Tu vois, pour une target audience qui se situerait grosso modo autour de 20 piges. En revanche... Oh merde. Moi à l'heure actuelle, je trouve ça, ouais, sans saveur. Mais sans saveur. Pourquoi ça me fait penser à un jeu mobile? C'est pas tant les apparences et tout, hein. Le HUD, c'est juste déjà. Un jeu mobile, tu t'en fous du lore. Ouais, y'a rien, voilà. Ouais, tu lances le jeu, tu joues au truc. Et c'est un peu ça, la sensation que j'ai là. Ouais, j'ai l'impression. Enfin, qu'on essaie de me faire. On essaie de me faire faire des choses, mais je les comprends pas. Et au final, ça m'a pas réellement donné envie de les comprendre, quoi. Mais d'un autre côté, après, il faut être assez transparent. Si même eux ont baissé le prix de leur jeu, c'est parce que même eux savaient qu'au final le produit n'allait pas être... Je pense que le jeu a connu des phases d'évolution. Ouais. Et il est pas à 60 hein. T'as senti qu'il savait... Enfin... Il y a un mec derrière, fais gaffe. Fais gaffe gros. Mais... Il est blindé. Faut qu'on se barre. Faut qu'on aille au point d'extract. Ok. Et toi t'aimes bien Brie? Après, quand tu commences à explorer, etc. et tout, ah, c'est répétitif, mais c'est. Ah merde, j'ai masturbé la batterie. Attendez, couvrez-moi s'il vous plaît. Ça signifie quoi le lore? Le lore, c'est l'environnement d'un jeu, c'est son histoire. Mais on peut même pas le comparer à Back 4 Blood, hein. Pour moi, ça n'a rien à voir avec du Back 4 Blood. Ça n'a rien à voir. Non, c'est clair. On a tous des goûts qui sont différents, sans jugement, en fonction de notre âge. Aussi, hein. Et quand je parle de... Dans les jeux. Ouais, clairement. Et quand je parle de 15 ans, de personnes de 15 ans à l'heure actuelle,
je me parle aussi à moi, si j'avais 15 ans, est-ce que je serais intéressé par ce jeu-là ? On n'a pas le même truc. C'est pas le même... À 15 ans, t'aimes le coca et pas le vin, quoi. Et tu te dis, putain, le vin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et puis un jour, tu comprends, tu vois. C'est comme tout. Tes goûts changent. Attends, moi, je crache pas dessus. Hein. J'essaie vraiment d'être le plus objectif possible, quoi. Mais... Oui, je pense qu'on n'est pas la cible. Je pense qu'on n'est pas la cible. On n'est pas la cible. Je pense qu'ils doivent... Ils se sont dit qu'ils allaient attirer une nouvelle communauté grâce à ce jeu. Non, j'y crois pas une nouvelle. Non, je pense sincèrement qu'il y a une espèce d'antinomie dans Rainbow Six depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui connaissent le jeu depuis longtemps. Pas forcément de, comme moi qui est un dinosaure, qui le connaît depuis 98, le jeu Rainbow Six. Mais il y a quand même des personnes qui connaissent la licence, etc. depuis longtemps, voilà quoi. Au fil des années, à chaque fois, ils sont allés chercher des communautés qui étaient de plus en plus jeunes, en fait. La target, c'était d'aller chercher les joueurs de chez Fortnite. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a toujours été comme ça. Donc au final, ce jeu, peut-être qu'il peut convenir à des personnes qui auraient entre... oui, effectivement, peut-être entre, je sais pas, entre 11 et... 11 et 17, quoi. Je sais pas, je dis ça, 11 et... Ouais, je sais pas, aux alentours après, de 15 tu sais, ans. Il y en a qui aiment bien le PVE, hein. Ah ouais, mais ça, et c'est pour ça que j'ai dit, et j'ai commencé tout à l'heure en disant, mon avis est sûrement biaisé. Mon avis est sûrement très biaisé. Et j'ai bien dit, je peux pas dire, je le gardais depuis tout à l'heure, après c'est parti. Mais il y a trop de choses que je reproche à Ubisoft pour avoir un avis objectif sur le sujet. Je le sais, je le dis, clairement. Donc si des gens me disent non, il est bien, j'aurais aucun mal dans deux jours à me dire, ouais ok, c'est juste moi qui suis un vieux con là-dessus. Et sans problème, vraiment. Parce qu'il y a trop de trucs que je reproche à Ubi pour ne pas avoir un avis biaisé là-dessus. Et je m'en excuse. Pardon. Commandé. T'as commandé quoi ? Un tacos 3 viandes. Il faut chaud. Gros obèse. Mec, tu annules ta commande. Longtemps. Non, mais tu me prends une salade. Non, mais tu bouffes la laitue. Tu bouffes de la laitue, j'en ai rien à foutre. Tu transformes en tortue pendant... J'ai un régime, ça s'appelle le régime tortue, mon gars, tu vas voir. Je vais te faire bouffer de la laitue pendant 3 mois, moi. Je cours tous les jours. Oh, le golem. Tous les jours. Enfin, tous les deux jours. Tu cours tous les jours, mais tu cours tous les jours derrière un tacos. Derrière ton colissimo. Pour avoir conscience. Hé hey, hey, vous, là-bas. Non, mais j'étais là. Putain. Ouah, je vais mourir. Wow, bro, viens avec nous, pourquoi tu hurles comme ça ? Mais je suis bloqué dans le... Oh la vache. Waouh. Ouais, il est violent lui. Gaïou, c'est un gros sac, mais il monte bien les vidéos, on le pardonne. Ah, je suis coincé. Je tue toi, Gaïou. Putain, avec ses pics, lui, je suis vraiment mal. Hein. Si vous avez besoin de la vie, dites. Hein. Ok, il en reste deux à détruire avant le... Je suis passé de... C'est absolument nul. Ah, c'est ok. Voilà. Je ne pense pas monter à plus que ça, mais bon. Il y a un kit de soins ici qu'on gardera pour plus tard. Ok. Bye bye. Je prends l'otage si vous voulez. Vas-y, mais elle passe par des trous de drone, elle. Elle se liquéfie et elle passe par des trous de drone. C'est ouf quand même, non ? Le jeu, c'est. Le soin qui l'a pris. Mais Yayon, mais t'es la plus grosse des p*** quoi. On était tous au même truc, l'autre il prend le soin, sérieux. Mais quelle sombre merde. Tu vois, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas... Mais ne prends pas les munes, putain, Yayo. Il y en a deux. Mais... Fais pas chier, ok. D'accord. Non mais tout à l'heure, parce que quand je t'ai dit j'ai plus de soins, elle aussi il était... C'est bien une attitude de gros, ça. Oh bah désolé, mais moi j'avais faim, du coup. Oh bah non, bah désolé. Ah bon, t'as pas mangé depuis deux jours ? Ah ouais, mais moi j'ai vu un tacos, je vais défoncer la gueule. Ah, j'ai plus... Oh putain. Vous avez une map ici, hein. Ah, y'a un kit de soins pour toi, 6. Hop, map... Et con lui, hein. Un kit de soins ou ça ? Vite, avant que Yayo le bouffe. Ah, un kit de soins. Ok, j'ai pas besoin, mais je le prends. Le loot over, quoi. Tu vois, même l'animation est bloquée par cet énorme HUD, quoi. Go. Nice, c'est un monstre. Vous voyez ? Le piégeur élite et tout. Voilà, là on est sur la petite bague. Ah, là, on est sur la gueule. On les chie sur la gueule. Regarde là,
les trucs là, The Wolfie en gros, tu sais, les... c'est trop gros quoi, c'est trop gros. Et ça cachait même l'animation, tout, l'immersion totale, ça cache totalement l'immersion quoi. L'impression que c'est un jeu pour gamins où on est obligé de t'expliquer. Attention, ceci est un méchant, oh, regarde, il est en rouge. Mais c'est dommage parce que le jeu est beau. J'ai gagné des tenues. Où ça? Où ça? C'est hyper intéressant ça. Va dans ton perso. Oui. Et progression, équipement, uniforme. Et uniforme, t'as des tenues que tu débloques. Équipement. Et là, t'as uniforme. J'en ai bloqué un. Le vortex polaire, j'ai eu là. Ah oui, je l'ai eu sur Vigile aussi. Ah, mais t'as des milestone diamants là. What? C'est quoi ça? Mais Tom Clancy. Ça, c'est roux. Ah, what the fuck? One more time. Ça, c'est inadmissible, franchement. Regardez. Non, mais non, mais non, mais attends, attends. Non, mais non, mais non. Lyon. Arrête la drogue. Ils ont mis Wally à la place de sa tête. Ever. Non mais bro, mais franchement, mais c'est un énorme foutage de gauche. Sur les autres. Non mais regarde sur cette pulse. J'ai peur. Ah mais je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure celui-là. Il est dans la boutique. Astronome. Astronome. Hey, astronome est marrant au moins, tu vois. Enfin bon, après bon, voilà, j'aime les trucs un peu vintage. Du coup, 6-4 a mis une note de 12,5 sur 20 au jeu.